Mercredi 7 février 2018, bon, je te prends, nous comptons rentrer la cave, nous sommes capables de voter pour une troisième sortie téléjournal là, pour semaine-ci là. Mais entre-temps, quittez-moi, salut Ruben, que m'en souhaite très bon mercredi. Bonjour Ruben. Bonjour Kadimi, un plaisir pour nous capables ensemble. Bon mercredi à vous-même tout. Bonjour aux amis téléspectateurs qui branchent nous en Haïti ou à l'étranger. C'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous, pour capables de voter pour tout élément d'information. Déjà, nous souhaitons passer un très bon mercredi. Et Kadine, c'est un plaisir pour moi avec vous. Bien sûr, Ruben, c'est un plaisir pour nous ensemble. Chaque matin, nous sommes capables de voter le journal à pour les téléspectateurs et les téléspectatrices. Rapidement, nous avons le principal point capable pour faire essentiel le journal à pour jeudi, mercredi 7 février. Une fois qu'on a le président de la République, Jovenel Moïse, présenté mardi 6 février, réalisation administrationnière pendant première année mandat. Intervention chef l'État et retransmettre sous plusieurs médias à travers le pays. Commission intérieure avec collectivité territoriale dans le Sénat République là, je suis territoriale. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural dans la tête collée avec le bureau député Keskofla et puis mairie commune là, distribué le matériel agricole par plusieurs agriculteurs et planteurs dans la commune Keskof. Et puis à l'étranger, Donald Trump a été tellement impressionné devant défiler pays la France était organisé 14 juillet passé à Poufetli. Président américain a demandé formellement à Pentagone pour lui organiser tout un défilé militaire pour fête États-Unis 4 juillet qui vient là. Essentiel le journal là pour maintenir été branché dans pas donner le petit moment. Merci parce que toujours été bien chez Télévision Nationale d'Haïti. Nous souhaitons bienvenue dans le développement information. Président de la République, Jovenel Moïse Dressé, mardi 6 février, bilan travail dans le cadre de la célébration première année mandat dans tête pays. Pour première année, ça a divers travail fait dans divers domaines, infrastructure, santé et électricité. Dans l'infrastructure, il y a construction route, pistel et corail, pose asphalte dans la ville locale, à couper avec réparation, asphalte, usine asphalte dans la cul. Pour l'électricité, il y a réparation centrale électrique Pelig, Delija Gaya, et puis il y a 28 000 nouveaux familles dans les Iwa qui bénéficient courant pour Kounia. Dans la santé, il y a mise en fonction service dialyse dans l'hôpital Ofatma, dans la ville Okaï, avec Port-au-Prince et puis Okap, et puis il y a un service dialyse dans l'hôpital général là, qui retourne en fonction Ruben Dumont. Il y a un autre volet sur l'autre travail qui est pour faire pendant l'année 4000. Parmi le travail, ça y a une livraison d'équipement qui prend fête dans plusieurs départements pays, pour le département Ouest, Sud-Est, Nipa, Sida et Grand-Anse. Matériel ça pourrait permettre chaque année place dans tout pays pour renforcer le système éducatif là par Moïse. Président Jovenel Moïse fait connaître l'annonce appel d'offres pour capable joindre compagnie pour capable fournir service électricité dans Tivilio. Annonceur. Vous avez fait signe, je vais parler de carte d'identification nationale. Pile travail qu'a fait pour que d'ici deux mois, dis-toi, pour nous qu'il y ait des j'en nous fait pendant la première année, nous pourrons lancer une caravane d'identification sur tout le pays, dans toute section communale, dans toute commune dans le pays, sur 10 départements pays, tout, pour que tout haïtien, toute haïtienne capable de gagner un cadre d'identification qui réellement qu'a identifié, vous avez dit, là où il dans l'autre pays, avec cap là, ou capable, automatiquement, pour cap là passé, ou bien, ou mettez, pour prendre un point digital, ou, toute information capable de monter avec système, ça, nouveau système, un map travail, pour mettre sous pied. Sous chaque département pays, il y a, faut chaque direction départementale bâille 100 km route chaque année. D'ailleurs, devant le palais national, l'équipement qui est allié pour nous livrer, département l'Ouest, équipement PAL, demain 7 février. Le 8 février, nous avons livré département Sud-Est, équipement PAL. Le 9 février,
n'a pas livré département NIP équipement PAL. Le 10 février, n'a pas livré département Sud et département Grandens équipement PAL. Ça veut dire, non seulement nous avons une grosse unité, n'a pas les équipements usés que nous avons plus que 300 équipements qui sont Sud Grandens NIP et dans la Tibonite, bon parti qui dans centre tout, dans la zone Maïsade. Nous avons travaillé pour que toute direction départementale de travaux publics gagne équipement PAO pour compétition, ça nous va le créer dans le pays. Compétition, c'est un match football qui a commencé à partir du carnaval Lac-Fin. Toute direction départementale dans le pays va l'obliger à construire 100 km de route chaque année. Et nous allons attendre un an pour nous voir qu'on n'a pas fait la valeur. Et puis, sous 3 mois, ça veut dire chaque trimestre, une évaluation qu'a fait pour si directeur départemental là respecter engagement. Le ministère de défense, génie militaire que nous avons, embryon ça par commencer travail en attendant que nous fassions recrutement aux jeunes garçons avec jeunes femmes rentrer dans l'armée pour venir servir le pays. Le ministère de défense a ban pile coup de main dans le travail d'infrastructure qu'a fait dans le pays. Nous avons plus passé 10% pour la population. Si les gens qui ont l'âge pour l'école, qui parlent l'école. Donc, l'effort qui fait, ça gagne peut-être plus qu'une décennie. C'était 25%, je dis à nous à 10%. Mais rêve pas nous, là nous avons quitté le pouvoir en 2022, c'est à construire 15 000 salles de classe pour mettre possibilité et créer conditions pour les professeurs bien formés. Pour nous capables de quitter l'autre 10% de monde qui parle l'école là pour nous quitter l'école. Voilà, on t'a suivi un bout d'intervention président République la Jovenel Moïse dans le cadre de la présentation bilan première année qui vient dans tête pays. Travail construction route Tomazo a commencé le 6 février 2018. Là, c'est député commune Sila Taïsa Cyprien avec une magistrat dans la ville Oxenville Lubnière qui lance le travail Sila. Je n'ai pas vu qu'à ce qui est Michel Joseph a présenté un compte rendu à nous suivre. C'est notre musique, ça, Mouna Tomazo l'ouvre chantier construction route Tomazo. Route ça qui relie Kwa de Bouke à Tomazo, chita sur environ 12 km. La gain deux voies et puis la mesure 7,60 m comme large. Selon député circonscription, Prince Cyprien, travail a fait dans 3 étapes. Pour nous commencer dans la première phase là, 900 mètres linéaires de caniveau sous tout de bord là rio, pour nous capable avancer sous tout caillement, sous débat pour nous arriver dans le centre-ville là. Bien on l'autre partie route là. Avion air de repos dans entrée et route la même. Mais deuxième partie route là, nous pourrons commencer tout dans limite avec Pognon Gabo pour nous passer descendre pour rencontrer Bouk Tomazo. Le nous venons faire travail, mettre mise en place pour route là, caravane changement pour arriver et pour faire asphaltage là pour nous. Magistrat Luder au civil exprime satisfaction pour l'initiative ça, l'État central prend. Selon lui, route ça pourra mettre en valeur potentialité commune Tomazo. Après 128 ans existé comme commune, nous avons côté Tomazo était, par les pièces progrès qui fait dans le niveau route là. Et 191 ans existé comme ville. Je ne dis là, si avec député Cyprien qui est le sous-PHTK, qui est président Jovenel, qui est président dans le pays, nous-mêmes, comme autorité locale, qui bon côté là, eh bien, nous sentissons fierté pour nous, pour Tomazo vienne gain route, rentrer là-dedans. Habitants Tomazo, yo, bat bravo la contentement pour projet ça, gouvernement entamé dans la commune. Nous souhaitons administration Moïse à gouvernement Lafontaine réaliser leur travail dans la ville là pour faciliter plus de monde qui a accès à services de base. Yo. Depuis que Tomazo a fait, bon, Tomazo a mon autre bagaille. On man, Tomazo... Et route à courant qui développe en zone, depuis pas de route à courant, pas de développement en zone. Après, le film fait route là pour nous. Nous avons besoin de quelques bagailles, place là. Nous avons besoin de maquettes. Nous avons besoin de quelques bagailles, même santé. Nous avons besoin de tout pour l'hôpital. Parce que quand il y a une urgence, il y a parfois chauffeur qui dit qu'on ne peut pas aller peut-être route là parce que nous n'avons pas de route. Première phase construction, route Tomazo a duré environ 3 mois, selon le député Price Cyprien.
Travail sa yo pour réduire risque ak difficulté moun sou moto ou soit nan machine kon fè fas le yo pral Tomazo. Membre commission intérieure à collectivité territoriale au niveau de Sénat République là, chita parler avec ministre intérieur à collectivité territoriale là, Max Rudolph Saint-Albin, sous question fond collectivité territoriale. Pendant qu'on dit là, incident qui était passé 30 janvier passé à l'aéroport international à Toussaint l'ouverture, qu'on n'a même pas gagné agent immigration pour être capable de recevoir passagers, t'es dans mes temps discussion et tout. En nous souvenant extrêmement micro, Fédéral Confident avec Moïse Ougouch. Il était question que nous t'ai parlé dans un premier temps de incident qui était passé vol et de une compagnie Sunrise qui était rentré. Et d'après ça, collègue Salomon t'a signalé nous, pas de gagner agent et immigration en aéroport là qui pouvait recevoir et bien passagers. Comme pour nous, c'est une question de sécurité nationale et c'est un problème tout à l'image PIA de étrangers rentrés que n'ont pas joindre personne pour recevoir. Donc, je dis à nous devons parler avec le ministre intérieur. Nous connaissons qui est concerné par la question ça pour nous donner des explications sur ça qui passait véritablement et qui mesure cap et adopté pour que bagay ça n'est pas reproduit encore. Dans un second temps, et nous avons parlé de fonds collectivités territoriales, fonds section communale et fonds communaux. Jean nous détend de la semaine qui passait, nous avons gagné en pile parlé entre FENAM, Fédération nationale Mère, avec le ministre de la planification. Sur question fonds qui a plus passé 2 ans qui pas jamais débloqué pendant que communio section communale yo gen pile problème. Les deux ministères nous ont invité à la fois pour nous te capable faire ça nous reler DG contre Matokaba. Donc mais l'en a discuté avec ministre intérieur là, il dit que, donc, matin, le ministre de la planification a été écrit nous. Malheureusement, le plat est venu en retard, mais il est venu quand même. Pour le dédier que le temps avec le président, parce que le temps pour se voir, bah, on est qui responsable étranger. Donc, nous d'accord, et nous allons refaire invitation à ministre de planification et coopération externe, et en même temps à ministre intérieur là, et ministre de finance pour nous résoudre la question ça une fois pour toutes. Donc, c'est ça. Invitation aujourd'hui, et le ministre intérieur a lui-même été répondre toutes questions qu'il était capable de répondre nous. Nous croyons que c'était son belle rencontre. Nous comprenons beaucoup plus parce que président de la commission intérieure là, sous question passée à l'aéroport, je pense que le ministre a expliqué nous comprenons et il y a des dispositions que nous demandons pour le bras et il dit qu'il commence à prendre, donc l'attend. Papier ça a pour les capables d'expliquer nous histoire et perspective et solution que nous avons pour le poter. Toujours dans le même dossier, c'est là, ministre intérieur qui est collectivité territoriale, Max Rudolph Saint-Albert, fait qu'on a commission, il y a une commission, toute explication sur l'incident 30 janvier avec un dossier qui concerne les fonds collectivité territoriale. Il y a une autre rencontre qui prévoit, fait, pour capable de discuter sur les fonds collectivité territoriale, côté ministre de planification avec un ministre de financement à l'occasion de l'occasion. On a fait un souvenir extrait. Je me réponds à l'invitation que je me joins de deux présidents de la commission intérieure dans le Sénat pour me répondre à deux points que le président François Denis a dit. Premièrement, c'était pour te clarification suite à l'incident qui est passé le 30 janvier 2018 dans l'aéroport international. Là. Et deuxièmement, pour nous parler tout de question de décaissement fonds qui alloués des fonds qui allaient à allouer fonds communaux qui alloués pour collectivités territoriales. Donc journée aujourd'hui, donc rencontre ça, c'est pas première fois qu'on a fait.
On croit que du genre, et nous c'est troisième ou quatrième fois en tout cas. Mais vraiment, c'est une habitude et c'est dans le cadre d'exercice et la démocratique. Là. Les informations, les clarifications pour voter, eh bien, le Sénat invite nous, le Parlement fait appel à nous et nous là pour nous porter toute clarification qui gagne. Le 30 janvier 2018, là, à 6h30 PM, effectivement, un bon avion qui atterrit, qui est en provenance de Cuba, dont la dalle était gagnée à effectivement, constat, c'est Jean Détan de l'Altédine, là, il te dit que pas de gain agent et immigration qui était là pour te recevoir. Mais à la vérité, tu as gagné plusieurs autres, enfin, représentants de l'autre institution de l'OAN, douane, etc., pas de là tout, pour la simple et bonne raison que l'information qui est arrivée, vient joindre tout le monde dans l'aéroport, c'est que le vol a été annulé. Et à notre grand étonnement, le vol là, l'engagé, c'est pratiquement le vol là débarqué que nous, tout le monde devine pris au dépourvu. Mais, fort heureusement, 46 passagers sont arrivés et checkés normalement par agent immigration. Et nous te dit dans grand titre ministère agriculture ressources naturelles et développement rural dans tête collé à bureau député Keskofla et puis mairie communale là distribuer le matériel agricole et puis remettre 7 motocyclettes by plaisir agriculteurs acteurs dans commune Keskofla hier mardi. Dans occasion planter agriculteurs yo exprimer satisfaction yo pour geste, c'est le reportage avec Richardson Jouda et puis Bernard Marseille. Bourette, piqua, pelle, gant, botte, sans compter un valet semence maraîcher, c'est quelques outils agricoles et puis motocyclettes. Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, dans tête collée avec bureau député Kenskoff, là, Alfredo Antoine, et puis mairie Kenskoff distribué by 40 groupements organisations plantées. Bénéficiaires ou quoi? Geste Savini, dans un moment, côté planté dans la commune, tu as traversé un mauvais moment. Nous allons travailler sérieusement avec Femmes, avec ceux qui ne veulent pas recevoir, mais pour nous faire un bon résultat. Nous prenons en grâce, dans les grosses soirées, dans nos communautés, en nous prenant solidarité, tout pour nous faire un seul, qui fait division derrière. Nous travaillons ensemble pour nous faire un bon résultat. Député Antoine, merci un peu pour nous faire recevoir. Merci un peu le ministre de l'Agriculture, merci magistrat. L'initiative ça rentre dans quatre missions du gouvernement. Qui vise à améliorer les conditions de la vie agriculteur dans le pays, selon le ministre de l'Agriculture. Production allait jusqu'à l'amélioration de la qualité de la production. Comment on a présenté les gens qui vont acheter la production, comment on a présenté les gens. Comment on a amélioré côté de la production nationale. Nous avons déjà nos pires compatriotes, nous, l'autre bord, nous sommes réunis avec eux. Qui paraît pour entrer pour venir comment on travaille, qui j'en nous produit. Parce que déjà identifié pour nous près de 800 millions de consommateurs à travers 5 continents qui tendaient parler de produits agricoles haïtiens et que ont décidé de acheter des produits agricoles haïtiens. C'était l'occasion. Pour débuter Keskof là, fait plaidoirie en faveur d'un bio agricole communal dans la zone là, qui va le permettre yo accompagner cultivateur yo dans Keskof. Ministre, c'est une demande que nous toujours faisons pour que gagne un agronome qui est le responsable bac là, qui est capable de faire activité ministère là au niveau Keskof. Et mon Keskof suggéré que son petit Keskof qui pour représenter yo, qui pour responsable bac là qui est capable de monter dans toute section communale, à rencontrer avec Kazek pour activer sa capacité dans le centre-ville, capable de faire dans la section communale. Ministre Carmel, en début de l'année, il prend. Réformer, parce qu'à travers le pays, c'est 76 bacs que nous voulons gagner. Nous voulons gagner 76 bureaux agricoles communaux qui prennent fonctionnel, qui prennent des propres motocyclettes. Et
nos interventions présidentes à faire Fort Liberté, que m'accueille bien, avec un pile contentement, président tient à ce que chaque bac gagne un propre tracteur. Activité sa fête, le cadre FEMTI, campagne hiver, à lancement campagne printemps, et puis en prévu à lancement caravane changement dans le département de l'Ouest, d'après responsable. Merci Richardson et Joudan. Bon parc, c'est une industrie qui a produit assiette à godet qui n'a pas bail environnement problème. Produit ça rapide par rapport avec interdiction autorité dans l'État, mais pour nous ne pas acheter ni utiliser. Produit qui fait en premier pour capable combattre le problème ici là. On s'immerse avec Hervé Pierre, président de l'Union contre un jeune sur ensemble. Plusieurs ministères prennent une résolution pour mettre campé en brigade pour aider à combattre le phénomène. Si autorité ou même Jacques Observateur critique les dégâts pour dire ça au fait son environnement, dans mouche tout cas niveau, créer plus fatra, bail maladie, industrialisme sous bois par eux, dénoncer contrebande qui facilite la présence de produits sur le marché haïtien. Assiette bon papio, c'est une alternative. Vous faites avec morceau carton, morceau papier qui a déchiré à profit d'utiliser. Ça aurait les biodégradables. En pile restaurant, même Jacques Machangi dans la Rio, commencez à prendre produit ça pour vous. D'après Hervé Salnav, directeur général Bonpac. Notre travail nous fait cup et nous commençons avec cup et ça c'est cup 16 onces et ça c'est cup 12 onces et que nous avons avec nous qui a fait jus, qui a fait plat emporté, qui a vendu dans la rue. Et pas bien longtemps, nous commençons à faire assiette et ça c'est assiette nous qui rappelle assiette foam, non, ça veut les foam, styrofoam qui fait avec les polystyrène. Qui est très cancérigène et qui est très néfaste. Pas longtemps nous commençons avec assiette. Non, bien sûr, il y a habitué avec foam. Non, donc, il prend temps pour accepter et assiette et carton. Mais au fur et à mesure, il y a entré dans dynamique carton et il commence à comprendre l'importance. Si le produit bon paquet commence à prendre place dans la société, puis il y a une inquiétude industrielle là, c'est contrebande. Ben, il y a dit un pile pour nous, on a pris un pile frappe et à cause de ce qu'on a dit contrebande. Il y a quelques compétiteurs qui importent tout, qui vont meilleur marché, qui vont à des prix que nous ne pouvons pas faire gagner plus à eux. Et nous-mêmes qui produisons et cachons les matières premières dans le même côté que nous qui produisons pour eux, et vraiment, qui est vraiment terrible pour nous. Et ensuite, il faut nous apprendre, c'est pratiquement 20 piliers. Donc, en termes de volume, l'empile, le transport seulement, c'est un gros bagage lié, et que son paquet de coûts. Et si on a stoppé, diminué, il a été dans la pile. Donc, je crois que le communiqué qui sorti, que son bon plus lié pour nous. Bon, pas privé produit, plus facilité, production industrielle a de doubler. Une façon pour porter solution ça, bah, tout le monde est dans le pays. Et vu ça, on a encouragé l'État haïtien, si porter production locale, on a porter bon Jean-Jarre. Nous avons retourné dans le Parlement ici en ce bicentenaire puisque il y a un membre de la commission spéciale qui a une responsabilité pour capable faire suivi sous dépensant l'argent Petro-Caribéa qui présenté pour la presse mardi 6 février à image série audition ancien ministre à directeur général qui a une responsabilité pour capable dépenser l'argent Petro-Caribéa. Président de la commission, sénateur Evalier Beauplan, accueillant membre de la commission, sénateur Antonio Cherami, a bail plus explications dans le micro, Fédéric Confident, avec Moïse Rubich. Première séquence que nous projetons, c'est des bagages qui ont un rapport à BMPAD, qu'on devait nous montrer toute imperfection qui a toute nuance qui a dans différentes déclarations que le directeur BMPAD a fait. Déclaration qu'il fait par rapport à la compagnie BMPAD actionnaire dans ça. Ça nous relate la question. 13 millions, 800 000 dollars, 200 000 dollars pour que son abandon là. N'a pas tout remous à faire. Elle explique le problème qui gagne. Elle est d'accord, contrat aujourd'hui, illégal. Nous passer pour un problème, question 22 millions, 23 millions, 800 000 dollars qui est condamné Daniel dans cette ville là. Et que le directeur BMPAD là montre que comme ça a été désaffecté pour réaffecter à CNE et nous montrer différents et projets qui fait dans tout le département. Nous avons des problèmes au gain, particulièrement les centres sportifs que nous et les stades. Nous faisons défiler devant nous, prions et état d'avancement des travaux. Nous avons l'autre annonce que nous allons faire par le grand public, par l'université, par
l'église, le lycée, tout le monde, toute structure organisée qui est dans le pays, nous avons un film que nous allons faire avec l'image là, côté nous allons passer et pour nous faire débat sur eux, puis analyser, et puis il y a ça nous dit au niveau commission si c'est vérité ou bien si c'est menti. Nous parlons dans l'actualité internationale pour qu'on y a une fois qu'on est Donald Trump était tellement rémé, était tellement impressionné devant un défilé pays la France était organisé pour pays l'île, une occasion faite l'île. Dans le même sens, le président américain Donald Trump demandait Pentagone pour capable organiser la même activité avec la même ampleur. Là, on vite suivi un reportage. Impressionné, voire subjugué par le défilé du 14 juillet en France, le président des États-Unis veut le même à Washington pour le 4 juillet. Emmanuel Macron l'avait reçu en grande pompe l'été dernier à Paris et Donald Trump n'a pas oublié ses chasseurs dans les airs, ses militaires, ses tanks, ses cavaliers défilant sur les Champs-Élysées. Il a donc demandé au Pentagone de réfléchir à la création d'une cérémonie au cours de laquelle, pour reprendre les propos de la Maison-Blanche, tous les Américains pourraient exprimer leur reconnaissance envers les soldats qui risquent leur vie chaque jour pour garantir la sécurité des États-Unis. Cette annonce a provoqué de violentes critiques chez les détracteurs de Trump qui comparent son attitude à celle d'un dirigeant de régime autocratique. N'apprêtez toujours à l'étranger. Janvier, c'est moi côté de plus qui coulait dans le pays Syrie d'après plusieurs organisations qui travaillent sur le terrain. Il y a tant de monde qui perdu la vie pendant le mois de janvier d'après l'organisation SAIO. Euronews pour plus de détails. En Syrie, des raids aériens du régime ont frappé l'enclave rebelle de la Ghouta, à l'est de Damas. Au moins 29 civils ont été tués, dont 7 enfants. Ces frappes sont elles-mêmes intervenues au lendemain de bombardements meurtriers à Idlib, province rebelle, dans le nord-ouest du pays, où le régime de Bachar al-Assad est à nouveau soupçonné d'avoir utilisé des gaz toxiques. Ce mois de janvier est particulièrement meurtrier et la situation ne permet pas le retour des réfugiés syriens. Hier, 6 organisations humanitaires ont dénoncé le fait que plus de 300 000 Syriens aient été renvoyés chez eux au péril de leur vie ces derniers mois. Et des centaines de milliers d'autres font face au même risque. Le contexte mondial est hostile aux réfugiés syriens, disent ces ONG. Il faut pourtant se garder de les forcer à rentrer chez eux. Journal arrivé dans bout de ligne principal point qui était fait essentiel pour jeudi mercredi 7 février. Président République la Jovenel Moïse a présenté à Yéma 16 février réalisation administration liant pendant première année mandali, intervention chef l'État de retransmettre sous plusieurs médias à travers capital là. Commission intérieure, collectivité territoriale, Sénat, Chita Palea, ministre intérieur, Maxime Rudolph, Saint-Albin, sous question fonds collectivité territoriale là. Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, dans tête collée avec bureau député 15 Kofla et mairie commune cela, distribuer le matériel agricole par plusieurs agriculteurs et planteurs dans la commune cela hier mardi. Et puis à l'étranger, Donald Trump était tellement impressionné devant défilé pays la France, t'est organisé 14 juillet passé en occasion fête-li. Président américain a demandé formellement à Pentagone pour lui organiser un gros défilé militaire dans la date 4 juillet qui vient là en occasion fête pays États-Unis. Voilà, merci Ben. Casse rendez-vous pour une prochaine sortie téléjournal. C'est un plaisir, Kadine. Merci à vous-même qui t'a regardé. Nous souhaitons passer une bonne journée sur la télévision nationale d'Haïti. Et Kadine, bonne journée à vous-même. Merci Ruben, très bonne journée à vous-même. Et quant à vous-même, téléspectateurs et téléspectatrices télévision l'État, on a souhaité tout le monde passer une excellente journée de mercredi en compagnie, bien sûr, de la télévision nationale d'Haïti. Restez branchés puisque l'information apparaît pour suivre son thème l'État.